Bonjour à tous. Je vais vous montrer aujourd'hui comment faire le réglage du plateau pour la Creality CR20. Tout d'abord, il faudra faire préchauffer le plateau à une température de 60 degrés. Une fois votre plateau à 60 degrés, vous pourrez utiliser la fonction Bed Auto Leveling pour déplacer automatiquement votre tête aux quatre coins du plateau plus le centre. Donc là, je vais vous montrer comment ça fonctionne, mais il faudra par la suite ajuster chaque point à l'aide d'une feuille de papier A4. Donc là, en appuyant sur le bouton Next Step, on peut passer au point suivant. Et enfin le centre. Donc on va recommencer à l'aide d'une feuille de papier A4. Donc on va d'abord se positionner au premier point. Et on pourra après ajuster la hauteur du plateau à l'aide des petites molettes en dessous du plateau. Le but, c'est d'avoir à peu près la hauteur de la feuille entre la buse et le plateau. Donc on doit faire le réglage pour que la feuille puisse bouger librement, sans être trop bloquée. Vous devez sentir une légère résistance. Donc voilà, là c'est à peu près bon. Donc on passe au point suivant. Donc maintenant on a vérifié nos quatre points, on vérifie le centre. Par contre, il sera nécessaire de refaire une deuxième fois l'opération pour tout revérifier. Donc voilà, donc là il faut réajuster un petit peu. Donc voilà, maintenant c'est bon, on a nos 4 points plus le centre qui sont à peu près réglés à la même hauteur. Donc la feuille doit pouvoir bouger avec une toute légère résistance. Maintenant on est prêt à imprimer.
Voilà. Donc là, le plateau va mettre un peu de temps à. Donc le plateau est déjà chaud, donc maintenant c'est la buse qui doit chauffer à 190 degrés. Donc ça va prendre un petit peu de temps. Donc vous pouvez regarder la suite de la vidéo pour voir le début de l'impression. Je vous remercie pour avoir regardé cette vidéo et n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu ou à vous abonner à ma chaîne. Merci.